va se faire quoi? On va se faire donc simplement, donc celles-là, ce sont des potions malsaines, donc on va se faire encore des potions de résistance au feu. Toujours pratique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va se faire? Donc c'est une des potions de résistance au feu qu'on va allonger, donc ça va être de la redstone. Donc redstone. Ensuite, on va avoir une netherwart. Attendez que je dise pas de bêtises. Alors on va avoir ça et ça pour faire du healing 2. On n'a pas de quoi les faire en splash de toute façon. Ok. Et donc ici, on a nos fameuses... Ok, il va nous falloir également... Ceci. Ok. Une sur nous en cas de problème avec de la lave. Alors ensuite briques du nether, tout ça ici, ça va là-bas. J'ai encore du sable. Et donc j'ai dit netherwart, pastèque, glowstone. Donc ça, ce sera pour notre healing 2. J'ai 3 healing de toute façon pour le moment. On va mettre ça ici. Le briquet, je l'ai pris, mais j'en ai pas besoin. F3, je vais vous l'épargner encore une fois. Alors j'ai pas pris mon... Tant pis, je vais juste miner comme ça. Je sais qu'il y a de la lave ici, il faudra se méfier. Ok, et on va essayer de remonter. Pas possible. Allez, on va... Je suis désolé, on va devoir se refaire un aller-retour. Non, c'est pas là, c'est là. Et tant que j'y suis pour cet aller-retour... Depuis le temps que je voulais le faire, ça... Elle va certainement casser avant d'arriver au bout.
ce que je voulais, c'est ceci. Qu'on va mettre en sécurité ici, la pioche en haut. Bon bah j'ai récolté mon laserwart. Hop. Non, c'est pas là. C'est en dessous. Ah, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Et là, on va redescendre. Ah, ça va tout de suite mieux. Pour redescendre. Underman quelque part, je le veux. Oui, j'ai eu peur. Par contre, ouais, les garder les blesses sur moi. Bon, vous allez me dire. On... Je vais regarder. Allez. Oh. TP, oui. Même pas une underperle. Et j'en ai vu un autre, il me semble. Non? Non. Bon. Allez, on était de toute façon là-bas. Ici, il y avait masse de fer d'un coup qu'on est venu. Je pense ne pas avoir tout récupéré. Et vu que je suis là pour ça, tiens, là-bas il y en a. Oh non. Ça, je m'en fous. Je me tire d'ici. Je vais pas par là. Ok, allez, hop. J'en ai vu. Allez, quoi? Un seul? Tu te fous de moi? Radin. Bon. De toute façon, on arrive à la fin de mon disque dur. Attendez, je veux juste explorer, être sûr qu'aucun mob ne spawn. De façon incongrue. Oh non, c'est pas possible. Tant pis, YOLO. Bon, je sais, mais... Là,
je me mets en sécurité. J'irai même en position latérale de sécurité. Bon. De régène, je peux utiliser une potion pour ça. Et ben, en attendant de régène, j'ai réactivé mon LAN. Non, donc on va réactiver juste le LAN, juste pour que je puisse régène. C'est ça, hein, là je régène. Ouais, bah non, je régène plus. Logique. Voilà, là normalement si je prends pause, je régène quand même. Ouais. Donc juste pour aller voir l'état de mon disque dur. Ouais, ok. On va commencer à atteindre la fin, donc juste un petit peu de récupération de stuff. De fer. Et puis je vais voir un petit peu ce que tout ça nous réserve. Alors. Je laisse les blocs ici, hein, je m'en fous. Assemblez-moi voir également par là. C'est vraiment une saloperie ces sorcières. Hein. N'empêche, la sorcière, c'est la sorcière qui était en bas qui m'a targeté jusque là. Ah dis donc, elle avait rien d'autre à foutre elle. Non, c'est pas par là, c'était à côté. C'était là. Et donc le fer était ici que j'avais vu. Ok. Ouvrir ça. Ok. Bon bah pas plus grand chose de concluant ici. On va aller ailleurs. Ok. Ok, ici il y en a encore. Nope. Nope, j'ai dit. Quoi, tu veux jouer à l'arc? Je peux voir que toi. Oh non, bah comme quoi. Eh oh. 2 à 1, mec. Bon. C'est bien parce que j'ai pas de bois, hein, mais... J'ai 11 de fer.
qui en soi peut me refaire des bottes. Je peux même me faire deux paires de bottes et les enchanter pour les ensuite les combiner si possible. Tu m'as fait peur la chauve-souris. Ok. Ok. Vous savez quoi, l'avantage c'est que maintenant pour redescendre et ben j'ai prévu le solo. Si ça c'est pas du génie. Ok, là je saute. Oh, tant pis, une source d'eau, j'en trouverai une plus tard. Allez. Ouais, ici j'avais enlevé la source de lave. Allez, on repart. On va se faire fondre ce qu'on a récupéré, se refaire des torches. Avec éventuellement du charbon en plus. De toute façon, il me reste encore un stack dans le coffre, je crois. Des escaliers qu'il faudra que je mette ici en fait. On va faire ça. Ok. Allez, hop, hop. Bah écoutez, sur les cris de mon disque dur, pour votre plaisir. Je vais arrêter cet épisode ici. Vous reprendre encore une fois demain. J'ai pas récupéré de... Non, bah non, le creeper il a explosé. Donc voilà. Donc encore une witch qui m'aura bien emmerdé encore ce coup-ci. Mais bon. D'avoir un don pour faire pousser les... en soi les... Pareil, les blaze rods, on va les garder. Alors, projet avec les blaze rods, c'est... Le projet avec les blaze rods, bah, c'est d'en avoir maximum pour se faire des yeux d'Enderman, évidemment. C'est pour ça que j'aimerais fermer des Enderman pour ensuite trouver le Stronghold. Si on avait le Stronghold, on serait plus emmerdé avec les bouquins, donc plus emmerdé avec les enchantements. On se débrouillerait toujours pour avoir des niveaux d'XP de toute façon. Et dès qu'on a une armure full enchant, et ben on va se faire l'Ender Dragon quoi. Parce que ça traîne un peu en longueur, mais je vous rappelle que la finalité, encore une fois, hein, de cette série, c'est de se faire l'Ender Dragon. Incroyable. Allez, 2, ah, Failing, Phaser Falling, et Protection 1, mais c'est nickel ça, c'est bon ça, Projection et Chute Amorti, ah, et puis j'ai cassé, oh non, bon, malheur ne vient jamais un bonheur ne vient jamais seul, ça qu'on dit non. Ok,
passer de 40? C'est une bonne question. Ouais, de toute façon, je disais qu'on allait se quitter ici. J'ai oublié bien sûr en plus de prendre les torches. Mais écoutez, de toute façon, on va juste se faire ça très rapidement. Je pense que mon disque dur ne va pas trop m'en vouloir. On a encore quelques minutes. Avant qu'ils me disent, bon bah moi j'arrête de travailler. Ok. On va mettre juste un gravier pour se souvenir. Ah, il manque pas grand chose. Hein. Allez. Ouais, ça va tout seul maintenant. Allez. Encore un peu de cobble, s'il vous plaît. Il faut plus d'escaliers. Ça servira toujours. En soi, résultat, faudrait peut-être encore tailler un poil sur la tête. Mais sinon, on est bien. Hein. Et voilà. Alors, juste ici. Pas plus de torche donc. Non, pas ça, ça. Ouais. Je suis sûr que même si je creusais un petit peu au-dessus, j'aurais pas plus de vitesse. Bon, bah écoutez. De nouveau enchanté. Bon, le casque est un peu pourri. Hein. Ça, je vous l'accorde. De toute façon je peux pas m'en refaire un, je peux même pas me refaire ce que je veux. Moi je vous propose, c'est pour le prochain épisode, enfin quand je vous reprendrai, c'est de se faire une autre grotte que j'ai pu voir, enfin très rapidement voir. C'est d'agrafer du melon, c'est qu'ici, juste ici, il y a une grotte. Et je vous propose bah je l'ai déjà éclairé visiblement, je me souviens plus. Ah oui, bah oui, logique, oui, c'est ma base, je... Non bah oui, bah non, bah en fait non, je pensais qu'on pourrait visiter ça mais en fait non. En fait, non. Bon, bah écoutez, bah sur ce, bah je vous dis à plus tard. Ok, donc bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie. Et aujourd'hui, donc nous nous retrouvons... Oh, ça a bien poussé ici. Nous nous retrouvons sur Jungle Hardcore. Donc ma série en hardcore où je dois survivre et dont la finalité sera de buter l'Ender Dragon. J'avance doucement mais sûrement. Toujours tout dans la prudence. Ouais, donc normalement si je ne me suis pas planté, vous avez pu voir ma vidéo sur l'enchantement des arcs. Donc on va se faire ça, hein. On va se mettre un tranchant 5 également sur notre arc définitif, hein, pas celui-là. Celui-là est légèrement trop pourri.
Et l'avantage également, je ne l'ai pas dit, de cet arc, comment, qui sera enchanté avec... comment dire? Donc qui sera enchanté avec tranchant, en fait le corps à corne n'abîmera pas l'arc. C'est aussi un des avantages, parce qu'un arc ne s'abîme que quand on tire avec et pas quand on frappe avec. Donc c'est... Ça permet d'avoir une épée tranchant 5, peu importe sa durabilité quelque part. Enfin une épée. C'est l'équivalent d'une épée en bois, hein, tranchant 5, hein, mais c'est toujours ça de prix. Donc autant c'est le dash là-dedans. Ok, donc on continue de toute façon. Donc hop, paper. Un peu de vache. Et on continue. Alors, le papier, le cuir, 3. Je peux en enchanter qu'un malheureusement. Tranchant 1. On avait un tranchant 2. Hop, et puis on va mettre ça ici. J'ai trop de choses sur moi. Trop de choses sur moi, des trucs dont il faut que je me débarrasse, ça notamment. La terre, ça va là-dessus. Donc terre, caillou, soul sand, les barrières, on s'en fiche. Le verre, hop. Ici. Non, pas ici, en dessous. On va en remettre. Faut essayer quand même de bien les mettre de façon à... Celle-là, on va l'acheter, elle sert à rien. Ouais, on va peut-être se refaire des planches, enfin des... Ouais, on se refera des coffres. Ah, tiens, là. Ouais, de toute façon, hop, tout transformer. On va se faire un max de coffres. Non, avec ça, je peux m'en faire 8. Ok, et donc, objectif, là, tout de suite, ça va être de... Que je dise pas de bêtises. C'est de retourner dans le nether de toute façon. Pourquoi le nether? Parce que simplement il me faut... je vais déposer le portail... Le portail aux bonnes coordonnées qu'il faut que je retrouve d'ailleurs, tant que j'y suis. Allons-y, c'est dans pourcentage AppData Minecraft screenshot, et c'est le marais. Le marais, il est là. Ok, donc 2800. Donc petite calculette. Alors 2000 divisé par 8 est égal à 25. Non, j'ai marqué 200 divisé par 8. Ça fait 250. En soi, il faudrait que je le note quelque part. J'ai pas mon téléphone qui traîne dans le coin. Hop, alors. Excusez-moi. Donc, note. Ajouter. Texte. Donc il me faut du 250 en X et en Y j'ai dit 800 divisé par 8, ça va donner du 100 simplement.